Ceci est un message pour mes confrères. J'ai bel et bien en ma possession les trois nouvelles saveurs de Fanta. Il m'est ardu de vous les donner ainsi sobrement. La NFIT surveille mes actes et paroles et je suis d'humeur joueuse. Le fruit d'une enquête fiévreuse, la saveur incroyable que l'on obtient à la sueur des défis qu'on a complétés. Tout ceci n'est-il pas plus grisant qu'une simple solution sans goût? Alors continuons de jouer, mes amis. J'ai ici une équipe qui se dit capable de réussir là où d'autres ont échoué. Let's go! L'enquête débute! Où est-ce qu'on est? Attends, mais il y a des fruits. Il y a tellement de trucs. Comment on va savoir? Ok, attendez les gars. En gros, structure. Noah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver les saveurs mystères. Venez nous aider. Ok. Il y a un téléphone. Allô? Il y a dans ces trois pièces toutes les informations qu'ont pu réunir avant vous une équipe bien moins organisée que vous. Avez-vous bu à la canette? N'est-elle pas acidulée? Sucrée? Attends, gourmande. Économisez votre salive. Vous n'avez même pas encore goûté aux deux autres merveilleuses saveurs. Bonne chance, Cookie Gang. Vous en aurez besoin. Très bon. Moi, je pense que c'est courgette. Vas-y, on goûte. 1, 2, 3. Alors, c'est très bon, mais c'est très difficile à dire. Alors, moi, t'as vu ça? Raisin, non? Ou un truc un peu fruit rouge? L'année dernière, ils ont fait tomate et c'était bleu. Il y a un papier là, il y a écrit « Une des saveurs serait-elle du basilic ?» Peut-être. Non, mais oublie pas qu'il y avait des gens qui étaient venus juste avant nous. Ils ont tout mélangé aussi. Il y a des indices, mais il faut faire attention. Il y a peut-être des petits pièges. Est-ce qu'on a accès ici ou pas? Je sais pas. Oh, mais c'est les stocks. Oh, c'est incroyable. C'est les archives. Wow. C'est trop stylé. Quoi, dans le chat, ça dit le frigo? Donc, je pense que l'idée, c'est de trouver la clé pour réussir à ouvrir ce frigo. Frère, j'ai une idée. Regarde. Il faut les regrouper, que ça veut dire oh, ça fait une phrase. Et regarde, il y en a d'autres. Les gars, on a un truc. Il y a un gâteau d'anniversaire là. Là, c'est écrit anniversaire Eddie. Ne pas oublier de passer chez Monsieur Day. Qui est fort dans les enquêtes? Qui est Monsieur Day? Mais cherchez les post-it où la phrase n'est pas complète. Ok. Non, mais j'ai trouvé un truc. Vas-y, viens voir. Les flèches, ça me connaît. Et je dis que ce truc-là a forcément quelque chose à nous donner. Oh, c'est clair. Oui. C'est pas comme s'il y avait des flèches absolument partout. Vous, mec, t'as un crack. Attends. Non, mais je sais, c'est mon truc. Ok. Oh, c'est stylé. Le chat, on vous voit ici. Unboxing. Nous, ce que vous pensez que ça va être? Oh, ah, okay. Demi-tour. Ils nous ont volé du temps. Là, regarde, j'ai un truc. Non, mais lui, il est trop énorme. Oui, mais regarde. Les gars, j'ai un truc. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il y a dans la boîte qui est intéressant, mais plutôt ce qu'il y avait derrière la boîte. Regarde, il y a ça. Mais si tu regardes bien, genre là, on voit, il y a un texte. Du coup, il nous faudrait trois autres post-it. Et ça, c'était derrière la boîte. Je pense que la boîte est un leurre. Oui. Ça, c'était une fausse piste, tu crois? Ouais. Quoi? Mais il y a marqué faux piste. Oui, déjà notre papier c'est une fausse piste. Le papier est marqué fausse piste. Voilà, bah c'était une fausse piste. On a une tablette numérique. On a trouvé des vrais trucs alors. Oh, ok. Attends, il y a un code. Il y a forcément un code. Essaye 000. On essaie une fois, c'est notre seul essai. Ah là, c'est la propre. On peut le bloquer. En vrai de vrai, on peut le bloquer. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'essais. Et à l'intérieur, il y a un dossier avec plusieurs éléments. Il était mince. Grand, de longs cheveux blonds. Voici à quoi ressemble notre informateur. Mais on n'a aucun indice sur l'informateur. Breton, quand il est fatigué, il ressemble à ça, les gars. Quoi? C'est ma calette et je ne ressemble pas à ça. Attends, c'est une fraise, ça? C'est quoi ça? Non, mais le fruit, attends, mais le mec, il est déguisé en fraise. C'est une fausse piste. On vient de voir la même chose. C'est dans le glitch. Il y a un fruit. Ah. C'est quoi ça? Il y a un fruit dans le glitch. Le chat, c'est quoi le nom du fruit? Je crois que c'est le fruit de la passion. Oh là 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 là, je suis trop fort. Ah, c'est le fruit du dragon. C'est peut-être le fruit du dragon. Mais c'est pas sûr que c'est ça. Ça se trouve, c'est une fausse piste. Ça se trouve, c'est juste un indice. Ah, regarde. Y'a un truc? C'est un pouce bleu. Mettez tous un pouce bleu sur le stream. Et moi je pense, ma deuxième théorie c'est qu'à l'intérieur le fruit est là-dedans. La tomate c'est un ingrédient. Non Raydon, mais t'es un malade. Vous savez que je peux le faire, vous savez. Oh, j'ai trouvé la clé. Quoi? Je suis trop forte. Quoi? C'est si simple. Mais dis force. Non, je vais pas lancer. En fait, non, c'est pas la bonne. Comment ça c'est pas la bonne? C'est pas la bonne clé. C'est un vieux. Oh, mais il y a 1000 clés, genre. Quoi? Les gars, on a trouvé plein. Non, mais il y a 1000 clés là. Et il y a de la fraise encore pour nous ramener sur la fraise qui est la fausse piste. Non, c'est peut-être pas celle-là. Oh. Ok, je réponds. Vous avez montré deux fois cette clé au chat. Non. Quoi? Attends. On est voilà. Avez-vous reçu mon colis d'Hawaï? Peut-être qu'ils ont déposé un truc. Mais y'a rien qui est déposé. Attends, mais ça doit être des bides. Ah, mais on est bête, c'est mais juste wow, ça. Mais oh, est... oh, notre cerveau. Mais notre cerveau. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre sur le chat. C'est catastrophique. Avec le pouce bleu sur l'étagère. Attends, j'étais où quoi? J'ai dit. T'étais là. J'étais dans la boîte, ici, avec le pouce bleu. Si, j'ai pris l'étagère. J'ai dit, regardez ce qu'il y a. Ah, y a un pouce bleu. Avec un pouce bleu. Mais là. Oh non. C'est moi qui ai pété mon crâne. Mais j'ai pas vu, c'est ce rendu. J'ai regardé dans la boîte, les gars. Mais devenir folle, les gars. Attends un peu. J'ai... Dans la boîte, regarde, les gars, y'a rien. C'est complètement fou, ça. C'est vide. C'est complètement vide. Du Fanta pour nous rafraîchir la gorge. On est si nuls que ça. Oh, je suis trop bête. Mais c'est nul, hein. En plus, non, mais attends, j'arrive et je fais vraiment... Regardez, les gars, y'a vraiment rien. Allez, ouvrons. C'est lui le méchant.
Vous savez que depuis tout à l'heure, on attend ce moment. Oh, il y a des glaçons. Oh, lolo, le gars. Il continue à chercher, moi j'ai soif. Non, non, moi je bois avec toi. Alors, on avance absolument pas sur l'enquête. Parce que c'est plus frais. Mais ça fait du bien. Il y a quelque chose derrière la caméra, il y a quelque chose derrière la caméra. Le chat dit que sur leur caméra, eux, sur leur retour, il y a des gens qui sont rentrés à Webedia qui arrivent. Il y a des gens, ils ont peur, des gens arrivent. On va aller chercher le colis d'Hawaï, les gars. Tout le monde dit qu'il y a un carton où il y a écrit fragile. Là, il est là, il vient de Hawaï. Il vient de Hawaï. On a le colis. Mon dieu. Franchement, on peut applaudir le chat. Incroyable. Le chat est meilleur que nous. Oh, il y a, plein de petits. Chacun la sienne déjà. Vous savez que pour le code, on est bête, c'était écrit derrière tout à l'heure. Les gars, on l'a trouvé parce que. Moi j'aimerais dire quelque chose. C'est quoi ça? 1, 2, 3. Ça, c'est pour goûter ça. Qui veut tester? Moi, je crois pas. La vue, ma mère, moi, je fais. Non. Allez. Sentez les légumes. C'est de la pomme pâte? Ah non. C'est des légumes, j'aime pas les légumes. C'est carottes? Non. Carottes. Ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à ce qu'on a bu, hein, quand même. De tête. Alors, faut sentir. Extrêmement fade. Ce sont les herbes. Ce sont la salade. Quelqu'un d'autre veut goûter? Attends, je te fais goûter. Non, tu dis de la merde. Non, ça fait des concombres! Non, sous l'étagère, le chat. Attends, ça sent les concombres! Elle dit que ça sent les concombres! Mais bien sûr que si! Ça a le goût de concombre un peu. Les gars! Non, vous êtes des ouf, les gars! Saveur test tétard. Ah, tétard? Peut-être que c'est le goût de tétard! Les gars, soyons simples, il reste 4 minutes. Faut qu'on se décide sur 3 saveurs là. Pour moi, c'est carotte, fraise. Et une troisième truc que je sais pas ce que c'est. La fraise, faut que je regoute. C'est du concombre. Il y a aucun rapport entre le concombre et la fraise. Mais justement, il y a 3 saveurs. C'est Paris, Los Angeles, le truc. Il y a 3 saveurs différentes, justement. Et concombre, tu le vois où? Mais concombre dans le. Dans le même que la fraise. Mais non, c'est concombre, la fraise, le nouveau parfum tendance. Attends, quoi. On a des fruits là-bas. Il a pas attrapé comme ça, en fait. Il a broyé le truc, ça va? Moi, je pense que c'est goût concombre. Mais il m'a donné envie d'en casser un aussi. Non. Bah, à part ça, depuis tout à l'heure, c'est des courgettes. Hein. Les fruits du dragon, c'est très stylé. Hein. Le chat, oui, rassurez-nous au moins. Fruits du dragon. Premier goût. Carotte, le deuxième. Ouais. Moi, je vois pas la carotte, frère, là-dedans. Concombre, le deuxième. En fait, ça, c'est carotte. Mais ça, j'ai bien compris. Téléphone! Oui, bonjour. Bravo. Vous n'avez absolument pas fait mieux que vos prédécesseurs. Mais vous avez du potentiel. J'en conviens. Merci, mon gars. Je vous recontacterai quand le calme sera revenu. Car pour le moment, je vous conseille de déguerpir avant que la NFT. Ok, on s'en va. Garde le chapeau quand même. Courez. Salut! Fuyez! Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va continuer l'enquête dans laquelle on va trouver les 3 saveurs mystères de Fanta. Est-ce qu'on se désaltérerait pas s'il y a du Fanta? Ah bah un peu de Fanta, Oh là là. Attendez, il n'y a pas que du Fanta, il y a un indice. Oh, c'est un téléphone. Allô? Enfin, j'arrive à vous joindre. Voyez le chaos qu'a laissé la NFLT. Comment allez-vous faire pour trouver les mystérieuses saveurs désormais? Vous venez de trouver un de mes 4 téléphones. Trouvez les 3 autres, et je peux vous promettre un indice. Oh. L'une des 4 saveurs indiquées sur ces moyens de communication est une de celles présentes dans les nouvelles boissons Fanta. Ok. Chaque format a une saveur différente. La canette a un goût différent, la petite bouteille a un goût différent et la grande bouteille a un goût différent. Donc c'est les 3 saveurs qu'on doit découvrir. À trouver. C'est pas la même sonnerie. Moi j'entends, il est là. Si. Je vois pas où il est. Allô? Ouais. J'aime bien l'idée. J'entends rien. Je suis en train de répondre à un téléphone dans lequel ce n'est pas lui. Essaye 000, la dernière fois ça avait marché. Hein. Si c'est 000. Les gars, je vous jure, c'est 000. Attendez! Je te jure que c'est ce téléphone. Allô? C'était pas ce téléphone, il y a un autre téléphone. Il y a un autre téléphone. Attendez, vous avez une lampe torche? Il y a pas de lumière ici. Mais ah oui. Lampe torche. J'ai pas envie de déballer. Allez, joyeux Noël à 3, 2, 1, hop là. Oh, il y a des sacs. C'est que quoi, des sacs. C'est des ongles, je peux pas me permettre de faire ça. Joyeux Noël à tous. Je pars en vacances bientôt. Frère, c'est pas la même sonnerie, c'est la quatrième. C'est pas ce téléphone. Mais c'est pas... Il a pas compris le concept. Il a toujours pas compris le truc. On a 4 téléphones à trouver. Elle s'est barrée derrière la lampe, il y a un téléphone. Ok, bah elle est là la lampe. Tout de suite derrière la lampe. Je sais pas. Là. Pause. Non. Oh punaise, ils sont trop forts. La vie de... Quoi? Mais c'était ça la lampe, il parlait. Il y a écrit quoi derrière? Oignon. Allô? Avez-vous une idée concernant les saveurs? Oignon et jasmin, derrière, il y a écrit ça. Bonne chance dans la recherche des autres téléphones. Merci. Pour ne pas oublier le code, créez-le à partir d'éléments qui vous entourent. Comptez les flashs d'une lumière clignotante. Ah, 2-2-1. 2-2-1 ici, et du coup ici. Mais après, si vous voulez, en vrai, j'ai des techniques et je peux enfoncer la serrure. Hein. Bon, mais c'est jamais moi, mais venez, on va tous aller là-bas. J'en ai marre. Ok, vas-y. Allez, on y va. C'est vrai que c'était bien blanc. Voilà. Quand on est rentré ici, ça commence à sonner. Réponds à tous. C'est toujours pas ça. Le téléphone, il est là. Plus on se rapproche, plus ça sonne. T'as un cerveau incroyable. C'est là, sur la pièce. Réfléchissez un peu ici, des points d'interrogation. Mais non. Oh mon dieu, appelez-moi Krakito. Non mais j'ai trouvé tous les téléphones, j'ai l'impression là en fait. Bah, il en manque un.
Oui, j'arrive, je vais répondre, mon ongle. Allô? Trois téléphones sur quatre, ce sera suffisant. Laquelle de ces trois saveurs est une vraie saveur Fanta? Oignon, jasmin et ananas. Attendez, c'est incroyable, ça veut dire dans un de ces trois, il y a peut-être une des vraies saveurs. Pour moi, c'est ananas, hein, ananas. Premier degré. Ananas. C'est une piste intéressante. Merci beaucoup, bonne journée, à tout à l'heure. Elle appelle le service client de... Les gars, je trouve un indice, des indices de goût bon de commande. C'est par rapport aux saveurs. Attends, oui, c'est bien ça. Hibiscus. Ça provient de Hawaï. C'est quoi ça? Eh bah, mais. Oh my god! Coco, une noix de coco! C'est la coco, non? Et là, on a tous les pays. Hawaï, Corée, Thaïlande. Là, c'est sûr. Okay. Hawaï, Corée. C'est sûr. Bon. Tu connais son numéro? Je sais! Tu nous cachais pas un truc. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va. Pas du tout. Les gars, tout le monde dans le chat dit l'ampoule. Réparer, clignote en rythme. 2, 2, 1. Mais dis-je ce que c'est. C'est un beat. Regarde. Vas-y. Frapper. Ok. 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 Avec le cookie gang, on est posé, on découvre les saveurs mystères. Le fantasme est fantastique. On va goûter, on va kiffer. Je sais pas si tu le sais. Sur la gueule, choco et noir. Putain, j'ai chaud. Ok. Putain, mais le tube, il était bien. Merci. Les gars, on est des enquêteurs, oui ou non? Ouais! On est des enquêteurs, oui ou non? Ouais! J'ai trouvé cette valise-là qui a besoin d'une clé pour l'ouvrir. On a une clé pour ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Les gars, j'ai trouvé un indice. Mes projets. Réussir et me lancer sur YouTube. Ça, je suis sûr, il y a un truc dedans. Non, arrête! Non, arrête! C'est trop beau! Non! Excusez-moi, on est censé chercher quoi là? Parce que moi, j'ai des pas indices. C'est le concept du jeu. Yes. Toi, donc. Oh, wow, regarde! Ok, répondez au téléphone! Allô? Seriez-vous capable de boire une des boissons sur la commode en acier derrière vous? Je ne mélangerai pas les trois. 3, 2, 1, santé. C'est du jus de raisin. Ouais, le début ça ressemble à du raisin et après tu fais. Qu'est-ce que c'est? Cassis? Non. Oignon! Pas du tout. Non. En vrai, c'est un goût de pomme, hein. Pomme fruit rouge. Ouais, c'est ça. Tu peux sentir? Ça sent rien. Exactement. Je goûte la galette. Oh, et c'est. Ça ressemble un peu. Oh. Okay. Mais un peu. Oh. Donc on s'approche. C'est portable, c'est galette. Oh! Je transpire des noms carrément. Vous avez bien mérité votre indice. Merci. Malheureusement, vous étiez vraiment proche du but. Bah, mais l'indice, c'est qu'on est proche. Les gars, dans les 5 prochaines minutes, personne ne peut faire. Essayez 2-2-1. Non. Oh mon dieu, non, mais t'es trop nul, Rayton. Répondez. Oh oui. Oh, attendez. Okay, ça se tire, on est wow coupé. Oh, il a réussi. Attends, frérot, je te rappelle. Bon, attendez, on a fait. Il a accroché. Oh my god. Est-ce qu'il y a des fans de K-pop? Ouais, un peu, j'aime bien. Oh, mais c'est John Cook. Ah non, mais tu sais pas, ils s'appellent tous John Cook. Mais si, il y a les BTS. Quelle saveur vient de Corée? Il y a un indice. Ça provient du pont de Fanta, c'est sûr. Il y a une pomme derrière, non? C'est quoi? Est-ce si, c'est une lampe ultraviolette. C'est de la grenade, c'est de la grenade. Ça ressemble pas à une pomme. Ou une fraise, mais elle a bien mangé la fraise, quoi. Ouais, hein? Wow! Magie! Ah, mais ils ont. Non, mais attendez, ça veut dire que là, il y a des gens qui arrivent. Par contre, oui, c'est pas cool, ça. Donc pour le moment, on a deux pistes. On a fraise et raisin. Alors j'ai une bonne nouvelle, je sais, Hawaï, c'est 50 centilitres. Oh, attendez, il est intelligent depuis le début. Hawaï, 50 centilitres. Ce qui vient de Corée, c'est dans la bouteille de 1,25 litre et la canette, c'est la Thaïlande. Mais t'es un génie. Mais je sais que je suis un génie, mon gars. Vous avez découvert qu'il y avait deux ingrédients. Je suis trop peur. Par saveur. Ça, c'est obvious, c'est de l'ananas. C'est du jus d'ananas, il n'y a pas d'autre goût possible. Montre, c'est vert, frère. Tu connais beaucoup d'ananas vert? C'est pas de l'ananas, vous êtes des malades mentaux. C'est de l'ananas. Qui a mis la main pour dire que c'est de l'ananas? Mais c'est de l'ananas. C'est de l'ananas. Ok, la majorité. Bah, on doit pas goûter les mêmes ananas. C'est ou pomme ou poire. Mais ça se trouve, les carottes sont produites en Thaïlande, on sait pas. Et pour l'instant, en fruits, là, sur les trois fioles, on a raisin cassis, pomme et ananas. Désolé pour mon écriture de cours septembre pour le fond. Il avait des pics sur la tête, de couleur verte, avec un peu de jaune. Et. Il avait l'air dur, un peu rugueux à l'extérieur, mais doux à l'intérieur. Ah, mais c'est clairement l'ananas. Oui, donc ananas, on est bon. Là c'est sûr, c'est un ananas. Ananas, okay, agent amer, je crois que je tiens quelque chose. Rubus Adeus. Attention, la ligne n'est pas sécurisée. Rubus Adeus. Arrêtez de parler. Rubus Ideus. Rubus Ideus. Rubus Ideus. T'as lancé un sort, là. Hein. Ouais, d'où? Rubus Ideus. Ça veut dire, c'est l'escalier, ça. Les gars, on doit trouver. Les gars, le chat dit que ça veut dire framboise. Où en êtes-vous de vos conclusions? Alors, on a une première conclusion, elle est incroyable. Pomme framboise pour une des saveurs. Est-ce que vous avez pensé utiliser les clés de la mallette? Non, on est bête, on a oublié. Bon bah du coup, je décasse les valises. Là, il y a encore une valise. Il y a une première valise avec un cadenas. Ok, vas-y. Ok, c'est pas ses clés. C'est pas ses clés. Rebonjour.
Je vois que vous êtes sur la bonne piste. Très bonne piste. Mais nos adversaires arrivent. Il n'y a qu'une seule valise dans l'autre salle intéressante. Et elle se trouve tout au fond. Non, mais c'est elle, celle-là. C'est celle-là, la vraie. Non, c'était pas elle. Mais c'est sûr, c'est elle. Là, c'est cassé. Mais là, c'est pas ma faute, c'est Choco qui m'a poussé. Ok, alors celle-là, elle a l'air vraiment, vraiment, vraiment mystérieuse quand même. Alors, il y a un code et où des clés. C'est quoi ça? Les gars. Tu sais où ça? Où c'est? Ils ont une valise. Ils arrivent, ils vont. Ah, oh, c'est juste c'est à côté de chez nous. On est dans le caca. C'est voilà. Juste à côté de chez nous, dépêchez-vous. Mais vite, mais je sais pas comment on fait pour ouvrir. Mais ils sont en train de rentrer là, vite. Non, mais c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Non, mais mets-toi ici, s'il te plaît. Trouvez le mot secret en 5 lettres. Fanta? Fanta ou NFT? Fanta, c'était Fanta! Ouais, c'est quoi ça? Wouloulou, alors j'ai pas bien fait de le casser peut-être. Ça c'est hawaïen. Ça sent trop bon par contre les gars. Alors, Thaïlande. Chez nous ça. Ils arrivent chez nous ça. Oh punaise. Les gars, moi je me... Dame. Alors moi écoutez... Moi je me cache dans mon studio. Aïe, aïe, moi, aïe. Ah, ça se rallume. Ok. Avant qu'ils arrivent, faut qu'on trouve la saveur mystère, d'accord? Ok. Par contre, ça c'est que les objets de Thaïlande. Donc là, c'est Thaïlande. Ah, mais ça paraît logique, regardez. La valise coréenne, c'était BTS. Ça, c'est la valise thaïlandaise. La valise... Ah ouais, c'est la France. Et Natsu Nam, c'est un code caché pour dire quelque chose. Manque passion. C'est vrai? Les gars dit... Fraise. J'arrête. Mangoustan. Si jamais à l'envers, ça veut dire mangoustan. Mais non, parce que ça, on dirait c'est... un fruit, non? Mangoustan. C'est ça le parfum, ça. Non. Attendez, un mangoustan, c'est pas un fruit? Le basilic est un mensonge, je le savais! Non, mais moi, je savais que c'était... Je pense que là-dedans, on devait avoir l'info du mangoustan. Wow! C'est pas ça! Il nous reste 10 minutes, ça va. Okay. Donc là, on peut imaginer que ça, c'est good. On a trouvé lui. Maintenant, il nous reste que ça. Corée, on sait qu'un des deux premiers ingrédients, c'est fruit de dragon. Donc là, tout ce qu'il nous faut, c'est le deuxième. Est-ce que vous avez un deuxième fruit qu'on trouve en Corée? Attendez, parce que déjà, il y en a un dans le chat, il a dit des framboises en Thaïlande. Oh, on a plus le temps, on a 10 minutes, crois-moi que maintenant. Quel est l'autre goût? Quel autre ingrédient, pardon? La noix de coco. Noix de coco en Thaïlande. Mais attends, framboise, noix de coco, ça n'a aucun sens. La plupart des gens disent que framboise, c'est en Corée. Reste tranquille. Ah, je préfère. Hibiscus. Oh. Hibiscus. Oh, hibiscus. C'est ça. C'est le goût d'hibiscus. Encore une fois, nos communications vont se couper. J'ai beaucoup aimé vous voir progresser aujourd'hui. C'est ça. Et je ne vous cache pas que, pour la première fois, ça, c'est des biscuits. Certaines de vos déductions c'est exactement vous rapprochent de la vérité sur les saveurs mystères. Pensez aussi à dire au revoir à ceux qui vous ont aidés. J'ai l'impression que sans eux, l'aventure n'aurait pas été aussi facile. C'est vrai. C'est vrai. Merci à Jean-Paul. Merci les abonnés. On va y arriver, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans ce troisième live dans lequel on va continuer l'enquête sur les saveurs mystères de Fanta. Ce que vous cherchez se trouve juste derrière la porte, sur votre droite. Il faut 3 clés pour ouvrir la mallette contenant les saveurs mystères. Trouvez-les. Normalement, les goûts qu'on avait de base sont ici. Le but, c'est de trouver, du coup, on a déjà 3 clés, mais déjà, au niveau des goûts... Il est grand temps de vous présenter ma surprise. Mon apprenti est juste ici et arrivera d'un instant à l'autre. Résolvez les jeux qu'il vous imposera et vous gagnerez un indice. Bonjour. Oula! Ok, il ne parle pas, il ne communique pas. Non, mais n'aie pas peur, Safa. You bien. Speak English? Spanish? Kedoul Arabia? Non, non plus. Ok, entente. Construisez un château avec ses 15 cartes et je vous récompenserai. Il ne faut pas être méticuleux. En fait, ce qu'il faut, c'est plier les cartes comme ça. Ensuite, tu fais. C'est très vrai. Tu veux prendre Fanta? Ah là là, le mais non, mais attention, les gars, faut qu'on avance. On a encore trouvé les saveurs. En fait, il faut que Fanta. Attention. Ça, c'est. Quoi? Ah, on a 1 minute 30 pour faire le château de cartes. Vous êtes tellement stupide, franchement. Ouais, c'est un château. Vas-y, attends, je me concentre. C'est un fort, quoi, ça passe. On va faire 4 fondations. Dépêche-toi, il reste 1 minute. Ok. Et là, on met la base. Doucement. Ok. Ça va tout. Ok. Attends, prends une quai plate. Après, techniquement, on est 4, t'es tout seul, on prend l'indice, tu fais quoi? Oh, il est trop chaud. Et nous, on a chaud. Ah, il va la déchirer. Il faut 2 étages. Attends, ça veut dire que là, c'est presque fini. Vite. Il reste 14 secondes, très. Ok, je suis presque. 4. Arrête, Suisse. 3. Arrête. 2. Dans cette salle, une ficelle vous incite à tirer dessus. Cherchez l'étiquette sur la ficelle et tirez doucement. Qu'est-ce qu'il fait? Doucement, on a dit tirer doucement. Ouais, c'est bon. C'est une ficelle avec une étiquette, il a dit. Doucement, ficelle avec une étiquette. Donc c'est pas les ficelles qui sont en haut. Attendez, vous êtes sûr que c'est ces ficelles-là? Parce que tout le monde joue. Ouais, mais ça se trouve, en vrai, les autres. Non, mais rien, là, pour nous mettre un leurre. Mais arrêtez, on ne fait pas tout, on cherche juste une étiquette. Tirez avec moi, non? Attendez, s'il vous plaît, je suis en train de lire le chat. Quelque part dans un tableau. Bah là, il y a un tableau. Mais il n'y a pas de ficelle sur le tableau. Près du frigo. Un tableau près. Il y a une ficelle. Oui, non, ça, je pense que c'est pas la ficelle. Chercher la glacière. Mais elle est là. La glacière, on l'a. On peut pas l'ouvrir. Oh mon dieu, non, mais non, on peut pas l'ouvrir. J'ai fait les mails. 100% qu'il sait pas utiliser une glacière. Regardez bien. Je te jure, c'est en collé. Quelle ficelle. Le chat ou le frigo, frigo, frigo. Je te jure. Le frigo, image. Franchement, il y avait toujours un indice se cache dans l'image. Où est le frigo?
Quelqu'un voit-il quelque chose d'autre que des super informations? Attends, il y a un bruit. Il y a écrit quelque chose ici sur la table. 4 ingrédients pouvant générer du rose dans la boisson. Si vous trouvez, je vous en éliminerai à nouveau sur votre tableau. Alors on a fraise, framboise, cannelle, rose. On va leur dire. Félicitations. Merci. Yes. Je vais vous donner du coup un indice. Regardez plus en haut à droite de la télévision. Oh, il y a une clé. Quoi? Mais non. Genre ça fait un quoi? Ok, on est vraiment sur des cachettes. Les Japonais avaient raison quand je disais dans le frigo. Bah, jusque-là, ils ont toujours eu raison, c'est juste nous, on n'arrive pas à comprendre. Félicitations, vous possédez désormais la première clé. Oh ouais, alors toi, tu sais comment commencer une soirée, mon gars. Qu'est-ce que... Il nous enlève un indice qu'on a trouvé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rose. Et il efface le mot rose, ok. Vous avez 2 minutes pour constituer chacun un mot avec vos lettres. Ça doit être une saveur? On n'a pas besoin d'écrire. Non, non, moi j'ai pas entendu saveur. Moi, m'a juste dit c'est un mot. Bah si, ça doit être une saveur. Ah ouais, parce que moi j'ai écrit sauna. En vrai, c'est très chaud, c'est comme un sauna. Et c'est écrit avec un U, non? Quoi? Les gars, moi j'ai fraise. Moi c'est sûr, j'ai framboise. J'ai aussi fraise. Toi aussi t'as fraise? J'ai aussi fraise. Attends, fraise. Toi aussi t'as fraise du coup? On a tous fraise. Lui il va chercher un autre mot. Donc c'est fraise. C'est fraise? Ou c'est pas fraise? Non, je crois pas. Hein. Sinon. Ouais, qu'est-ce que tu veux, pardon? Tu fais peur, moi j'ai. Attendez, mais c'est réussi, on a l'indice. Ok. Certaines de vos connaissances ont travaillé pour la NFT. Cependant, j'ai décelé un indice dans sa vidéo. Sachez, tout est compilé dans les dossiers roses au fond. Pink! Vas-y, ça. J'aime trop le rose en plus! Il nous reste 43 minutes pour découvrir la saveur, on a bien avancé déjà. Le fraise, on fait quoi avec le fraise? Wesh, pourquoi il a la tête de Michou? Michou était donc un agent double! Et je lui dis, il faut être respectueux, il voit une meuf, il fait. Ouais. T'es de Paris, toi? Non. Ok, t'as des vêtements de rechange? Non. Ça va peut-être faire monter le prix. Les vêtements derrière. Dedans, je crois qu'il va y avoir un truc, c'est sûr. Et puis, il y a Charles. Ok, attends, il doit y avoir des vêtements et il parle de filles. Let's go! Incroyable! Il y a un truc ici, non? Il y a un indice là. Non, c'est pas un indice, c'est. Pour l'instant, c'est une valise normale. C'est pas possible. C'est la valise de Michou qui était en fait un agent double. On ne sait pas ouvrir une valise ou ça se passe comment? Vous l'avez marqué. C'est bon, j'ai. C'est là. Oh non, mais dites pas qu'on retourne sur les indices qu'on avait déjà eu. Je pense vraiment que c'est une fausse piste. Hein. Il y a encore aussi sinon d'autres. J'entends un truc là. Là, il y a un truc. Il y a des clés. C'est des clés. Citez-moi 3 ingrédients qui, selon vous, se trouvent à Hawaï et je vous en éliminerai un de la colonne du tableau associé. Ok, ananas, hibiscus, ça fait Corée du Sud aussi, je trouve. Fruit de la passion, ça fait Hawaï. Fruit de la passion, ça fait Hawaï. Est-ce que les Hawaïens, c'est sûr que c'est des mecs passionnés, je vous élimine du coup le fruit de la passion. Ok, donc il n'y a pas fruit de la passion, tu peux supprimer. Et fraise, ça provient de où? Franchement, produit, mais ça n'a aucun rapport. Oui, je sais, ça dit. Michu nous a dit quoi comme indice? Bah, vêtements. Après, on a trouvé une clé. Et là, on a qui d'autre? On a. Comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Nico Capote. Mais il n'y a pas de melon dans les indices. Non, mais moi je pense que ça peut être. Il y a peut-être un melon justement ici qui est caché. Regardez la photo. Là, ça. C'est du raisin et. C'est des crevettes. Y a pas mon rêve. Il est de retour. Bon chant. C'est un puzzle. Faut reconstituer quelque chose. Ok, ouais, parfait. Hop là, on en a un. On se met à 5 dessus pour lui. Qui a la fleur? La fleur. Moi j'ai un petit morceau. On appelle le cerveau de la bande un peu. Ouais, ça va ensemble. Et ça va. Ok. Et du coup, ça fait un. Attends, il est pas complet. Il est pas fini. Si, il est fini. Non, il est pas fini. Merci. Oh, il y a une clé. Tu viendras nous voir. Il y a la clé qu'on cherche. Une de ces clés aurait été trouvée par mon apprenti. Félicitations, vous l'avez mérité. Bah, c'est tout. Ça, c'est l'hibiscus, non? En vrai, ça ressemble à un hibiscus. Hein. Je sais pas c'est quoi l'hibiscus, mais ça ressemble. Le chat, est-ce que l'hibiscus ressemble à ça? Cassie, c'est hibiscus. Alors, les gens, ils disent non, et il y en a d'autres qui disent oui. Mais non, mais les gars, réfléchissez. Regardez. Qu'est-ce que ça peut être? C'est simple. Regardez. Donc, ça ressemble pas à de la fraise, ça ressemble pas à de la pomme, ça ressemble pas du cassis, ça ressemble pas à de l'orange, ça ressemble pas à du banane, ça ressemble pas à du fruit de dragon, et ça ressemble à aucun de ces trois-là. Donc, c'est forcément du fruit de dragon. Je sais pas à quoi ça ressemble. Non, ça ressemble pas à ça. Bref, les gens disent que c'est le fruit du dragon. Ok, fruit. Voilà! Dans ce jeu, vous ne pouvez utiliser que vos baguettes pour servir la canette dans le verre. On va tenter. Mais dis! Incroyable! Soulevez en bas. Oh, il est bon, mais bien. Il est chaud. Ok, encore. On est très très fort. Hein. Voilà, je pense que c'est la synergie Cookie Gang, les gars. Santé. Santé. Framboise. Merci beaucoup. Okay. L'indice est un peu taché. J'ai mangé un truc à la framboise tout à l'heure. Et ça a le goût de la framboise. Pour moi, c'est la framboise. Ce que vous voyez à l'écran concerne la mission Thaïlande. Attends, c'est tout? Il y a un truc. Si, je pense que je sais. C'est un peu de l'espace, non? Le goût de la Voie lactée, c'est un goût de framboise. Genre, à quel moment il pensait qu'on savait ça? Genre, c'est impossible. Bah, si, Benji, c'est beaucoup de choses. Non, on est trop. En tout cas, c'est une vraie info. Mais vous trouvez pas que ça ressemble un peu à l'intérieur d'un fruit du dragon? Oui. Non, les gars, je sais exactement ce que c'est. Hein. Vous voulez que je vous dise? Non. Regardez, vous voyez tous les petits points qui affichent à l'écran, en fait, c'est ça. C'est du morse. Bon, en tout cas, les gens. Non, je pense que c'est. Bah, si, parce qu'il y avait un rythme quand même, tu vois. Je pense que c'est là. Moi, je pense. Regardez. C'est quel fruit? Regardez, c'était ça, on est d'accord. C'est bon, c'est ça. En Thaïlande, j'ai vu la pub une fois. C'est votre frérot qui revient. Wow! Oh! Wow!
Donc il est avec plein de trucs. On fait de la raclette, pardon. Si vous arrivez à équilibrer parfaitement cette bouteille, je vous donnerai un indice. Bah on ramène une bouteille. Si c'est aussi simple que ça, bougez plus. Oh si, c'est équilibré là. Ramène. Ça, c'est comme quand on prend plus de temps, ça fait combien? C'est vraiment si simple que ça. Ce que vous voyez à l'écran concerne la mission en Corée. Ok. On dirait de l'ananas, c'est quand tu disais du. Non, on dirait du litchi. Mais non, on dirait clairement du litchi, oui. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de litchi. Alors, j'aimerais bien voir où est-ce que. Mais je suis désolé, mais ça se voit qu'on ne peut pas trouver. Peut-être qu'il y a un autre truc qui ressemble à des litchis. Hein. Oh, ça ressemble à du litchi ou alors de la framboise. Il les a dit que ça venait d'où? Corée du Sud. Alors, personne n'a dit ça. Si, il y avait écrit. C'était Thaïlande. Non, il y avait. Non, mais il y avait. Mais c'est marqué. Là, maintenant, il y avait écrit. D'accord. Mais dis, tu sais rien. C'est pas de la framboise. Je veux dire que l'indice d'avant, c'est. Non. Mais par contre, calme-toi. Parce qu'il peut pas être dans deux trucs. Si. Quel indice d'avant? Sur l'indice d'avant, le truc avec les étoiles. Non, c'est le fruit du dragon. C'est le fruit du dragon, ça va. J'écoute, mais ça va, je comprends. Ça va. On revient. Goûtez une des boissons et donnez-moi vos suppositions concernant les deux ingrédients mystères. Je vous en éliminerai un parmi les deux pour mettre à jour votre tableau. Moi, je sens un goût de pomme proéminent. En tout cas, pour moi, je pense que le petit là, le 50 centilitres, c'est du framboise. Oui, t'avais raison. Donc c'est sûr et certain. Ça, c'est pas framboise, ça. Ça, pour moi, c'est fraise et un truc très sucré, très chill. 50 centilitres, on est sûr, cassis et framboise. Cassis, je l'ai mis au bol depuis le début. Hein. Oui, moi aussi. Hein. Mais je vous élimine, du coup, une de ces deux saveurs. Oui, il n'y a pas de cassis. Oh, il fallait pas, j'en sais, je... Ouais. Mais dis, j'écoute. Bah, c'est ici. On regarde, là. Il les sert fort, quand même. Des trucs de couture. Enfin, c'est des trucs. Il a pas trop envie qu'on lui prenne. Des perles, quoi. Avez-vous vu le nombre de biroses? Mais non. Donnez votre proposition. Je crois que j'en ai vu 4. Mais, c'est... Oh, mais quoi, des biroses? Ok, 4 biroses. Vas-y, moi, c'est 4. Ouais, il y en avait peut-être. Je peux désormais vous le dire, vous aviez émis l'hypothèse que fraise soit une des saveurs mystères. Malheureusement, non. Donc là, on a pomme, framboise, orange, banane, fruit du dragon, courgette, citron, hibiscus et ananas. Citron, peut-être. Non, ça fait super acide. Moi, je sais pas pourquoi je sens que Thaïlande, c'est good. Et Hawaï aussi, hein. Pour moi, il y a pourquoi que pas orange et pomme. Ça irait super bien ensemble, non? Les amis, j'ai trouvé. En gros, il était dans une mission au Thaïlande, donc ça veut dire qu'il était en Thaïlande. Ensuite, ils ont dit le truc Adeus machin, si tu combines un peu toutes les lettres, ça fait hibiscus. Donc ça veut dire que mission Thaïlande est une mission réussite. On est trop fous avec nous. C'est vrai ce que tu dis, hein? J'aime bien ce que tu proposes. Ouais, je sais, abonnez-vous. On a donc, Thaïlande, fruit du dragon, hibiscus. Ananas, framboise pour Hawaï, et puis pour mission du Corée du Sud, on nous manque une saveur. Qu'est-ce qui va bien avec de la pomme? Moi, je propose, on fait un rituel et on invoque le mec avec le masque. Non, c'est fantastique trois fois. Les rituels, c'est pas fait pour moi. Fanta, c'est fantastique. Fanta, c'est fantastique. Fanta, c'est fantastique. Fanta, j'arrête de le faire. Cette confrontation sera un défi d'endurance. Ouais, c'est ça. Tenez votre bouteille comme mon apprenti. Et voyons qui de vous lâche en dernier. Allez, Rayton. Je te regarde moi dans les yeux quand est-ce qu'on a le droit de chatouiller l'agent mystère? Non, je crois pas. Moi, j'ai le droit, on a le droit au moins de lui souffler dessus. Après, il a commencé genre 20 secondes avant toi. Il a fait un masque. C'est vraiment fait bille. Ah, ça, il veut te checker? Ah, putain, faut qu'on joue tous! Attends, ah bah oui! Une petite bouteille, ça va, je prends une grande. Allez, ouais. Ah. Oh là là! Mais oui. Il est bon! Le chat est à nous! Non, moi, j'en sens bien. Là, moi, c'est fini. Ah, j'ai plus de sang. Bon, les gars, moi, j'abandonne. Choco! Vous êtes trois, allez! Soyez pas des flemmards! Attends! Non, il est trop chaud! Je vais tenter un truc, les gars! Il est chaud, non, il est trop chaud! Il s'est entraîné avant! 7, 6, 5, 4, donc 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, et t'as le sac! Let's go! Oh, le badge! Il va nous ouvrir la porte? Le badge qui ouvre la porte! La réponse à toutes les questions, j'ai trouvé à cette porte! Merci beaucoup! Ok, c'est parti pour le reveal. Les trois saveurs Fanta. On a attendu longtemps! Enfin! Commençons avec la mission Thaïlande. J'ai les mains moites, les gars. Mais moi, ça fait bien longtemps qu'on en parle. Ok. Les saveurs pour la mission Thaïlande. Sont. Quelles sont les saveurs que vous avez conservées? On dirait pour l'instant rhubarbe, basilic. Fruit de la passion. Et fruit de la passion, c'est ici. Non, dragon. J'ai trouvé un langage codé pour parler des saveurs. Par exemple, Natsugnam. Si jamais à l'envers, ça veut dire mangoustan. Mais non, parce que ça, on dirait un mangoustan, c'est pas un fruit. Regardez. C'est quel fruit? C'était ça, on est d'accord. C'est bon, c'est ça. C'est en Thaïlande, j'ai vu la pub une fois. On a donc, dit... Thaïlande, fruit du dragon et biscuit. Non! Mangoustan et fruit du dragon. Tu sais même pas ce que c'est mangoustan, mangoustan. C'est quoi? Mais il n'y avait pas marqué mangoustan. Je sais même pas ce fruit du dragon, on l'avait. On avait donc belle okay. Très cool. Le chat, vous avez on avait raison. Passons à présent à la mission Hawaï. Ça, on peut pas fail. Ça, non, c'était ton truc, c'était ta mission. On l'avait. Les saveurs Hawaï sont... Oignon, jasmin et ananas. Attendez, c'est incroyable, ça veut dire dans un de ces trois, il y a peut-être une des vraies saveurs. Pour moi, c'est ananas. Hein. Il avait des pics sur la tête. Il avait l'air dur, un peu rugueux à l'extérieur, mais doux à l'intérieur. Ah, mais c'est clairement l'ananas. Pourquoi il a la tête de Michou? Je lui dis, il faut être respectueux, il voit une meuf, il fait...
Michou était donc un agent double. En vrai, ça ressemble à un hibiscus. Hein. On n'avait pas dit ananas en Hawaï. Peut-être. Hibiscus. C'est ça. C'est le goût d'hibiscus. Ananas framboise pour Hawaï. Et c'est pas ce qu'on a dit. Ananas. Non. Quoi? Et hibiscus. On pas dit framboise. Ouais, on a dit ananas framboise, mais c'est quasi. Oui, on avait l'ananas. On avait l'ananas, s'il vous plaît. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Hibiscus. J'ai soif, je me permets. Tu veux la faire? Alors. La mission Corée du Sud. J'ai l'impression d'être pas si intrigué. Celle a eu son diplôme. Ok. Les. Nominés pour les Oscars sont. Les saveurs sont. Ça doit être une saveur? Ah ouais, parce que moi j'ai écrit sauna. On a tous raisons. Moi c'est sûr, j'ai framboise. Donc c'est fraise. Ou c'est parfait. Non, je crois pas. Hein. Je crois que je tiens quelque chose. Rubus Adeus. Rubus Ideus. Rubus Ideus. Rubus Ideus. Le goût de la voie lactée, c'est un goût de framboise. La plupart des gens disent que framboise sont corées. Moi, c'est la grenade. Ouais, ça ressemble pas à une pomme. Ou une fraise, mais elle a bien mangé la fraise. Le basilic est un mensonge, je le savais! Framboise. On l'avait celui-là. Ouais. Framboise, oh, ok, mais litchi. Mais ils nous ont mis en erreur. Mais il y avait litchi sur le tableau. Mais ils nous ont induit en erreur en fait. Il y avait pas litchi, mais c'était donc bel et bien framboise et litchi. Et donc les petits fruits qu'on avait vus sur l'image. C'était bien des litchi. Ouais. On a enfin les trois saveurs. Allez goûter chez vous, vérifiez vous-même, mais franchement c'est super bon. Ma mission clairement accomplie. Santé. Santé.